Yo, better get out, man. It's time to get paid. You know, they always told us that America was the land of opportunity. You know, but around my way, it seemed that the only opportunity there was to either get shot or arrested, right? And oye, there's a new thing happening now. A black man had been elected president, there's a Puerto Rican chick in the Supreme Court, and I, like them, I want to make a huge change for our people. Philippe, président de la région Auvergne, quelles sont tes impressions de ces deux premières, ces deux manches pour notre région? Ben, une grande satisfaction, déjà un nombre d'équipes important, 32 équipes, deux manches magnifiques, une manche plan d'eau à Pirou, sur plan d'eau de Pirou, à l'île Bardet, qui est très bien reçue par le PPM de la série I. Une tonne 100 de poissons, je pense que c'est pas loin d'être un record au niveau de la région. Une deuxième manche beaucoup plus compliquée, une manche payée à 5% sur Sioule, donc sur la Sioule, beaucoup plus compliquée. En plus, une moteur d'eau assez variante, donc, très difficile à pêcher, mais néanmoins 34 poissons. Plus de vingtaine d'équipes ont pris les poissons, ont été classés, donc c'est plus que satisfaisant pour le site. Donc voilà, globalement, bah, 10 équipes du Team Auvergne qui vont partir en finale. Très complémentaires, je dirais, donc certains de l'expérience, des nouveaux qui s'incrustent, et c'est très bien. Bonne ambiance, toujours comme d'habitude, et on tâchera de ramener quelque chose au mois de septembre. Voilà. Très bien, merci. Maybe it's inside the bottle. It's the invasion. Greenland, what drew you to the show? Well, I got the script, man, and I just really liked how it represents the city like no other show has. Like, you've seen a lot of shows based in New York, but you haven't seen the youth side of things. Like, you know, the 20-somethings, the people that come out here, focus on something, and want to be successful. We don't see that on television, and I think this show is the epitome of that from the ground up.